bouger. Eh bien, salut tout le monde, c'est P3P et aujourd'hui on se retrouve pour une vieille série que j'avais commencée il y a bien longtemps. Elle s'appelait SJSM, qui voulait dire Survivons avec Jack Sparrow sur Minecraft. Bon, what the fuck. Ok, d'accord. Donc j'ai décidé tout simplement de ne plus prendre Jack Sparrow. Là, actuellement, je n'ai pas changé, mais je crois que je changerai en fonction du... Enfin, je changerai. Voilà, donc j'ai pris Gangnam Style, bien évidemment, avec un accoutrement un peu bizarre. Victor pourra reconnaître. Donc oui, c'était SJSM NPC. NPC parce que c'était... J'avais décidé de transférer... À la base, c'était une survie. Et j'avais décidé de transférer sur une map aventure... New Providence Chronicles. Voilà donc SJSM NPC. C'est fort nom de Dieu. Ah oui, d'accord. Et donc, souvenez-vous, non, vous vous souvenez pas, c'est normal, moi non plus je me souvenais pas et j'ai dû regarder les quelques épisodes que j'avais déjà tournés. Et donc à la fin du... C'était le cinquième je crois. What the... Putain, toi je te défonce. Je vais te défoncer. Oh la salopard. Oh l'enfoiré, le creep. Ah, je peux même plus remonter. Eh mais... C'est la fin du monde. Bon alors, attendez. Hein. Je reconstruis ce truc. Je suis con. Non, je veux pas de... Voilà. Je reconstruis cette chose. Mais tu me saoules, toi. Je vais te défoncer. Voilà. Et puis là, on va mettre... On va mettre ce truc. Voilà. Bon, voilà. Je ne sais plus s'il faut la mettre en paisible ou pas. Mais en tout cas, j'étais en train de dire que... Oh, la patte. Alors je devais pas être en... Voilà. Je me mets en paisible. Il va falloir que je fasse gaffe la prochaine fois. Donc j'étais en train de dire que... J'étais en train de dire quoi? Que oui, alors oui, dans le dernier épisode, je crois que c'était le 5 ou le 6 peut-être. Le méchant pirate... Oh, j'ai pas vu ça. Le méchant pirate Gold Roger, ou je sais pas quoi, moi je me crois dans One Piece, mais voilà. Nous avait envoyé sous une arche, et... Il nous avait envoyé sous une arche, et on devait... je sais plus quoi, récupérer quelque chose, et... Ah, c'était une boule... C'était une boule, je ne sais plus comment, d'ailleurs... Et en gros, à la fin, il nous avait dit « D'accord, je vous accepte dans mon équipage, nanana, et vous avez une maison abandonnée près de l'étang. » Sauf que, dans ma tête, j'avais pensé tout de suite à ça. Mais pour moi, c'était pas un étang. Est-ce que le coffre est rempli ? Non, je l'avais dit. J'avais pensé à ça, mais c'était pas du tout un étang pour moi, donc je me suis pas dirigé par là. Enfin, j'ai esquivé, on va dire. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je suis revenu sur mes pas et j'ai vu les petites toiles d'araignée, là. Et, comme par magie, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé... Parce que oui, il faut toujours regarder. J'ai regardé ce magnifique panneau au-dessus de ma tête. Et j'ai vu maison abandonnée. Donc, voilà. Par contre, comment je fais pour y entrer? C'est bien. J'ai une maison abandonnée, mais... Donc voilà, donc on va continuer cette série tranquillement. J'ai vu qu'elle plaisait à... Enfin, Victor m'a dit qu'elle lui plaisait bien. Et donc je pense qu'elle va vous plaire aussi, vu que je me suis légèrement amélioré, sans vouloir me vanter, au niveau du commentary. Et que c'est... C'est quoi, what the fuck, ça? Wow, the sound! Et donc, voilà. Voilà tout. Donc, je vais utiliser un levier. Même si c'est pas le bon levier. Non mais attends, what the fuck. Il y a bien un truc.
J'aurais dû prendre une de ces dalles que j'ai laissées tomber par terre. Ah mais attendez, je crois là. Bon, voilà. On va revenir à la maison de machin chose. Là. Au repère de Goldie Roger. C'est où? Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est la potence. What the fuck, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Je vais voir ce coffre, il m'a l'air d'y avoir. Oui, voilà. Ok, c'est là-bas. Oh non, j'ai foiré. Voilà, c'est là. Alors, allez, avance, mon gars, avance. Donc, c'était là, le bureau de Reed Roger, voilà. Putain, ça m'a fait peur. Clé de la bicoque abandonnée. Bacoque, bacoque. Voilà, c'est ça que j'avais pas pris. Donc, toc, voilà. Et je vais laisser ça, parce que je me fous de ce truc. Voilà. Oh. What? Oh. Oh, j'ai eu un putain de freeze, les amis. The freeze de la mort qui tue. The freeze de la mort qui tue. Oui, tout à fait. Alors, popara. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'améliore sur cette série. Je changerai tout le temps le skin. Enfin, je vais essayer de changer tout le temps le skin si j'y pense. Si j'y pense pas, bah, j'y penserai pendant la vidéo, forcément. Et puis, c'est tout. Alors, je ferais bien d'enlever ces toilettes. Ces toilettes. Alors, avec le mot qui suit, c'est parfait. Je ferais bien d'enlever ces toilettes d'araignée. Non, oui, effectivement, j'ai enlevé toutes ces toilettes d'araignée parce que c'est chiant. Et j'ai enlevé ce panneau aussi. Il me sert un peu à rien. Ma maison, les amis, c'est plus votre maison, les araignées. Voilà, il y a un lit et tout. Oh, il y a un balcon, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle, Chantal, mon gars, tu vois pas de test. Vas-y, tu peux pas de test. Ouais, non, c'est tout. Elle est trop nulle, en fait. Le mec. Petite fenêtre et tout, wesh la classe. Alors, par contre, ça va pas le faire du tout. Faut que j'en mette un autre là. Un coffre. Alors, je vais tout de suite définir mon spawn. Vous pouvez dire que là, je suis con. Ni copie de Dieu. Allez, on descend. On va voir la cave. Je pourrais entreposer mes richesses en sécurité ici. Bah oui, forcément. Waouh! Des pommes cartes. Clé armurerie de la villa. Faut que je retourne voir Rogers à l'armurerie. Qui sait ce qu'il va me demander encore? Donc là, je prends la clé de l'armurerie. Je ne sais même plus à quoi elle sert la clé que j'ai pris. J'ai trouvé dans un petit. Faudrait que je revoie la vidéo encore. Casse-toi, toi. Je t'aime pas. Casse-toi. Merci. Donc l'armurerie. Il faut que je trouve l'armurerie. Padapopo. Allez, je vais par là. Non. Popola. Oh, l'autre jour, mais je m'en fous, je pars pas de cet endroit. J'avais tourné, mais jusqu'au bout là-bas. Enfin, voilà, quoi. C'était débile. Ça, je ne fais que passer. J'ouvre toutes les portes si ça vous dérange pas. Bon, what the fuck là? Où est ton armurerie? Tu viens de Tananiel, ou je sais pas quoi là, t'as un nom bizarre. Tous ceux qui s'appellent le Tananiel, bah je vous plains. D'abord, voilà. À la cruche rousse. Bon, allez où cette saloperie de fucking armurerie là? Ah, mais c'est moche ça sur ma maison là.
partout. Ah non, il est là. Voilà. C'est quoi ça? Ça? T'es tout seul? Tu te sens seul? Attendez, je crois que c'est... Ah non, c'est bon, j'ai dit. Alors, c'est quoi ça? Je crois que c'est pour aller au... Pour revenir du... Voilà, vous m'avez compris tout à fait, voilà. Super! Ouhou! On se comprend trop vite avec mes abonnés. Oh, je suis trop content. Je vous aime, la folie. Je vous fais des kisses et des bisous. Des kisses et des bisous, bien sûr, Jean. Ça y est, il a pété un câble. Bon! C'est pas que tu vas commencer à me casser les couilles, mais à chaque épisode, ça va devenir long. Ça, c'est chiant, par contre. C'est une des raisons pour lesquelles je... Enfin... C'est pas ma map préférée au niveau aventure. Alors ça, c'est une armurerie, j'en suis sûr. Avec toutes les bibliothèques qu'il y a, c'est obligé, quoi. Bah oui, quoi. Allô, quoi. Oh, il y a un escalier à moi. Bien évidemment, je déconne en disant que c'est une armurerie. Non, voilà, voilà. Voilà, c'est ça que je préfère en mode Assassin's Creed, là. Waouh! C'est quoi ça? Une armurerie. Aïe. Chez Evenlord, pirate à la retraite. Bon, allons voir par là. Donc la vieille, je sais pas fermer une porte. Là. Comme d'habitude. Ah, mais cette tête poteau! Jean Bouffe, s'il te plaît, le mec s'appelle Jean Bouffe. Oui, bah oui, tout à fait, il y a une vache. C'est chiant. J'aime pas ça, moi, chercher les trucs. Bon, je crois avoir fait toutes les maisons. Je suis dans ces qui hein. Auberge de base, ça j'y suis allé. Oh, mais j'y suis allé il y a 2 minutes. Vendeur de et acheteur de bric-à-brac, la crevette sauteuse. Moi j'achète pas, je vole. Je suis un pirate, un pirate en mode Psycho-Gangnam Style, tu vois. Bon, non, là, j'ai déjà été chercher, ça commence à me casser les burnes, mon gars. De l'autre côté, non, il n'y a rien. Ah, mais... Je vais quand même voir. Non, je vais pas voir. Allons par là. Gauche. Drake, historien de New Providence, bienvenue aux amateurs de découverte. Tu voudrais bien m'aider dans mes recherches? Suis-moi la cave. Tu fais enculer, je t'aime pas. Le mec, super social. Non, mais en fait, c'est qu'avec les panneaux. Bon, maintenant, il y a un nouveau système de dialogue avec les blocs de commande et tout le tralala. Waouh! Trop style. Je te kiffe, monsieur. Mais avec les panneaux, c'est... Tu sais pas trop où aller, en fait. C'est ça qui est... C'est bien, ça te guide un peu, mais... Je suis Jean Barthes. Le Dark Lord. Ça, c'est un bateau qui pète Non, mais là, je m'égare. Cordage maritime. John Mansell. Puis il y aura John Gretel aussi.
Super blague. Eh non, mais... Oh, c'est pas vrai. Ah, merde, je suis bloqué. What the fuck? On dirait que mes chaussures grincent. Oh. Voilà. Mais non, je suis con, je viens d'aller voir. Eh, mais ton armurerie, là, elle est où, là? William Parker. C'était un copain de Peter Parker. C'est le tête de porte mal faite. Pedro de la Plaza. Oh, si, signore. Phare, pêcheur. Ouais. Cimetière, je m'en souviens. Bon, là j'en viens. Là j'en viens aussi. Non. Là, il y avait quoi là? Rien. Robusto. Oh non, mais c'est pas vrai, je vais jamais la trouver, cette putain de fucking bitch. Fucking motherfucker armurerie. Ah, toi, tu veux pas que je rentre, toi. Bonjour. Putain, mais cassez-vous là. Voilà, elle entend plus. Oh, ça a l'air différent. Comment j'y rentre? Je vais y rentrer, moi. Maman, je vais y rentrer, moi. Super! C'est complètement inutile! Comment tu rentres dans cette tour là? À part en haut, bien évidemment. Bon! Je n'ai pas trouvé cette armurerie, alors ça me fait un peu chier là. Je n'ai rien là-dedans. Absolument rien. L'armurerie, c'était bien l'armurerie, là. Je découvre. Oh. Là, c'était quoi déjà? Je me souviens même plus. Je ne sais plus. Oui, c'est vrai. Bon, vous savez quoi? On va aller retourner là-bas. Ah, j'aimerais bien la retrouver quand même avant la fin de la vidéo, hein. Ce serait plutôt pas mal. Non. Alors, on va aller voir dans le fond. Si c'est dans le fond, mais alors là, je pète un câble. Si c'est dans le fond là-bas, mais. Comment je vais péter un câble si c'est par là? En même temps, pourquoi j'y ai pas été avant? Mais je vais rager, hein. Si je la trouve ici, je vais rager, je vous jure. Parce que je me suis dit non, vas-y pas et tout, parce qu'il n'y a rien là-bas. Puis s'il y a quelque chose, bah, tu vas te faire reculer. S'il y a quelque chose, je vais vraiment les reculer. Bon, là j'y étais l'autre jour. Mais je veux voir quand même. T'es qui toi? Ah ouais, non, ça on l'a déjà fait. Non, mais il n'y avait rien. Oh, si, il y a un gâteau là, je vais prendre une part. Pourquoi? Le mec qui s'incruste, il mange une part de gâteau, s'il te plaît. Bon, ça c'est un peu. Moyen. Je vais faire comme ça, moi, d'abord. Bon. Soir. Bonjour. Bonne nuit. Bon, ton armurerie, là, elle est où? Ça, c'est quoi, ça? Auberge. Auberge de la Sainte Trinité. What is this fucking shit of little cabane? Ok. C'est une cabane de pauvres. Je ne ferme pas la porte, je suis méchant, je sais. C'est. Ah bah d'accord, ok, et je. Voilà quoi. Je ne trouve pas cette fucking armurerie. Il me faudrait une carte.
Une carta avec les noms dessus. Mais ouais, c'est ça, il faudrait une carte. La prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Je vais télécharger une carte de cette map. Même si c'est un peu de la triche, enfin, c'est pas vraiment de la triche parce qu'on connaît pas l'histoire, on connaît juste les emplacements. Donc vous m'excuserez, mais bon, voilà. En tout cas, je suis content de pouvoir continuer cette série en votre compagnie. Je sais qu'il y en a un qui sera content, du style mon petit Vector là, qui va aimer que je poursuive cette série. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera pour le prochain épisode. Je crois que ce sera le numéro 7 et là le numéro 6. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, bye bye.